Eh bien bonjour, j'aimerais bien tout d'abord savoir de quel groupe vous faites partie et de quelle région vous venez, et à la fois pour quelle raison vous êtes à cette réunion de musiciens, je dirais. Ben bonjour, donc on fait partie du groupe Pandémonium, on vient de la région de Chimay. Alors en fait, on vient ici surtout pour voir un petit peu donc tout ce qui va se passer au niveau de la promotion des groupes de la région et de tout ce que ça va amener, donc de tout ce que cette assemblée va amener. Et voilà, au niveau de donc moi je parle au niveau des plus petits groupes du coin qui n'ont pas toujours l'occasion de jouer et de se Ni les moyens. oui voilà ni les moyens d'être promus comme ils aimeraient, donc voilà. D'accord, justement à ce propos-là, dans la région de Chimay, il y a un bruit qui court comme quoi il y aurait quand même un manque d'infrastructures, de salles. Quand on voit les concerts, en général, c'est sous chapiteau. Est-ce que vous pensez qu'il y a éventuellement un moyen de résoudre ce problème? Alors, dans la région de Chimay, bon, c'est vrai que nous, on est habitué à jouer très souvent sous chapiteau. C'est vrai que il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas énormément d'infrastructures qui sont vraiment adaptées. Et c'est vrai que pourquoi pas développer des bars plutôt, des bars genre cabaret avec des présentations, avec des scènes pour promouvoir justement tous ces petits groupes. C'est vrai que ce serait plus intéressant. Mais des cabarets, il en existe, entre autres un Virel dont je tairai le nom. Le problème, c'est qu'apparemment, il y aurait toujours le phénomène techno-électro qui serait là bien implanté. Est-ce que ça ne vous pose pas préjudice, ça, en fait, ce phénomène-là? C'est vrai que pour le moment, on est dans une vague qui est fort, fort électro, donc comme vous dites. Maintenant, bon, c'est vrai, les personnes qui apprécient vraiment les produits plus rock, pop rock, chansons françaises, country, toutes ces personnes vont être plus facilement amenées à venir voir un groupe rock. Maintenant, c'est vrai que il faut des infrastructures et des facilités pour les groupes qui cherchent justement des dates à accéder à ces infrastructures et sans devoir, enfin si, il faut quand même qu'ils travaillent et qu'ils cherchent de leur côté, mais il faudrait qu'ils aient un accès plus facile à ce genre d'infrastructures. Et au niveau production, je ne parle pas production musicale, mais production dans le cadre de concerts, est-ce qu'il y a des personnes dans la région, que ce soit Chimay, Cul-de-Sac, Couvin, dans la Baule du Hainaut en général aussi, est-ce qu'il y a des producteurs éventuels qui ne pourraient pas vous faire jouer en dehors de la région? À ma connaissance, non. Maintenant, en dehors de la région, ce qui se passe, c'est que bon, maintenant les groupes de la région jouent plutôt pour des Ducasse, pour des jeunesses, donc toutes les jeunesses de la région. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on reste vraiment dans un cercle restreint pour aller chercher des producteurs ou des managers ou n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut aller chercher un peu dans d'autres régions. Mais à ma connaissance, à part peut-être les éventuels musiciens qui jouent plus professionnellement dans la région, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'alternatives donc pour trouver un producteur dans le coin, quoi. Et une dernière question. À partir du moment où on veut sortir un CD, est-ce que dans la région de Chimay, dans la Baule du Hainaut, dans le Hainaut en général, est-ce qu'il y a assez de studios d'enregistrement? Les prix sont-ils abordables? Ou comment vous débrouillez-vous? Est-ce que vous utilisez des home studios? Alors, principalement, nous, on utilise des home studios. On a un léger matériel qui nous suffit amplement à créer des petites démos. Maintenant, bon, c'est vrai que pour trouver quelque chose de plus professionnel, on n'a jamais eu l'occasion de chercher ce genre de studio puisqu'on n'a pas encore de démos ou d'albums à sortir. Donc je ne saurais pas vous répondre exactement pour savoir s'il y a beaucoup de studios de par ici, mais je pense que les prix sont quand même assez élevés et je n'ai jamais cherché pour d'autres studios, donc je ne sais pas quelle quantité il y en a. Et est-ce que Internet ne tue pas justement la production sur CD via les serveurs payants comme via les serveurs peer-to-peer comme Emule, prenons le cas, quoi. Est-ce que ça ne tue pas un peu le CD pour vous autres aussi qui débutez?
je pense plutôt que ce sont tous les groupes plus connus qui sont surtout atteints par le phénomène, parce que bon, les petits groupes qui sont en train de monter ou qui sont en train d'être promus pour le moment ont plus de fans via internet. Ouais, ça nous aide beaucoup plus. Oui, ça nous aide plus, voilà. C'est plus pratique, en fait. On a plus facile de faire diffuser sa musique par internet. Et il y a beaucoup moins de personnes qui veulent écouter les albums de. Il y a beaucoup moins de personnes qui écoutent les albums de personnes qui sont promues comme ça, indépendamment sur le côté des plus petits groupes. Et donc, ils sont moins sujets au téléchargement pirate ou tous ces autres. On n'est plus dans la situation des cassettes vendues sous le manteau, entre guillemets. Et alors, une dernière chose pour en terminer. Vos noms, je ne vous les ai pas demandés. Donc moi, je m'appelle Jérémy Marchal. Et moi, c'est Anthony Chartier. Mais je vous remercie beaucoup. Bonne réunion, et en espérant que ça évolue bien pour vous. Je me souviens d'un très beau concert à Couvain. Franchement, c'était excellent, quoi. Merci.